Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous présenter comment changer votre pseudo sur la PS4. Alors, vraiment désolé si vous entendez ma PS4. Franchement, j'espère que ma voix sera en rendez-vous, tout simplement. Alors, vous voyez bien, les mecs, que je suis sur le compte, mon compte principal, Yurtiju. Tout simplement. Et c'était hier, PlayStation nous a annoncé qu'on pouvait changer de pseudo. Et franchement les mecs, je vais vous faire vraiment un tuto pour vous faire montrer comment il faut faire. Alors, on nous a dit qu'en fait, il y a certains jeux qu'on peut, qu'on n'a pas de soucis, certains jeux qu'on peut avoir beaucoup de soucis. Alors moi, les mecs, j'ai regardé avant. Alors, ceux qui jouent à Fortnite, Black Ops 3, Black Ops 4 et plein d'autres jeux, et bien en fait, les principales Fortnite, BO3, vous n'aurez pas du tout de soucis pour changer de pseudo. Et après, par la suite, je sais que d'autres jeux comme GTA auront des gros problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez plus y jouer, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre des trophées tout simplement. Alors, je vais aller directement, vous allez directement aller dans les paramètres de la PS4. Alors, excusez-moi, j'ai en train de m'aider d'une main. Dans les paramètres de la PS4, vous allez dans gestion du compte, vous allez dans information du compte. Vous allez directement, alors on va attendre que ça charge, vous allez directement aller sur le profil, voilà, profil, tac, hop, profil, et là vous allez dans idées en ligne, voilà, vous allez dans idées en ligne, tout simplement, hop, c'est marqué téléchargement, vous allez marquer accepter, dès que c'est fait, vous faites continuer, hop, tout en regardant, continuer, saisissez. Alors là je vais juste couper comme ça, j'ai pas envie que vous preniez mon compte. Alors je vais juste couper, on revient tout à l'heure. Voilà les mecs, tout simplement j'ai mis mon code. Et là comme vous voyez, on peut actuellement changer de pseudo. Vous voyez bien, vous jouez en tant que Yurtiju depuis 2017. Voilà tout simplement. Et alors le problème en fait, c'est vous pouvez changer une fois, c'est gratuit. Et les autres fois en fait ça va être 10€. Alors, qui dit 10€, en fait, les mecs, c'est si vous n'avez pas PlayStation Plus, vous coûtez 10€. Et ceux qui ont PlayStation Plus vont avoir 5€. Tout simplement. Le premier essai est gratuit, tout simplement. Alors, je vais juste marquer un pseudo en ligne, tout simplement. Et on revient tout de suite quand j'aurai terminé mon pseudo en ligne. A tout de suite, les mecs.